die Fabrik am Ufer. Muss man die Worte kaufen, sie runterschlucken und erst dann kann man sprechen. Oui, les mots sont précieux, parce qu'il faut avoir les moyens de les acheter. Et puis en plus, il faut les avaler pour pouvoir les prononcer. Trottinette! Filia arbeitet in der großen Wörterfabrik. Hier werden alle Worte gedruckt, die die Menschen brauchen zum Sprechen. Ici, à Fabrique Amo, l'usine ne s'arrête jamais de travailler. Et les mots qui sortent de la machine sont les mots qu'on utilise tous les jours. Et Filia, il travaille du matin au soir. Et le soir, elle travaille encore. Ici, à Fabrique Amo, les mots coûtent cher. Alors les riches peuvent parler beaucoup. Tandis que les pauvres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais dans les poubelles, on trouve souvent que des mots inutiles. Marilyn! Vieux slip,
examination. Papillus amniosis acutis. Pas facile de dire ce qu'on pense quand on a un seul mot. Phileas rentre chez elle et Thibault rentre chez lui. Et cette nuit-là, tous les deux ont eu des rêves bizarres. Thibault und Phileas verbringen eine unruhige Nacht. Sie haben seltsame Träume. De grand vent. Ces jours-là, les gens de Fabricamo en profitent pour essayer d'attraper les mots qui s'échappent de la cheminée de l'usine. Drei Worte hat Phileas gefangen. Drei Worte braucht es, um ich liebe dich zu sagen. Drei teure Worte. Phileas sait exactement à qui elle a envie d'offrir les mots qu'elle a réussi à attraper. Évidemment, elle aurait bien aimé pouvoir dire « je te aime », mais ce sont des mots chers. Et elle n'a que les mots qu'elle a réussi à attraper dans son filet. Normal.